Dupont très motivé depuis la deuxième ligne. Elle partira dans le sillage d'Azel Dope, qui est plutôt une bonne position, ou dans le sillage de Yamé Battu avec le non partant. On se décale. Le 4 et le 5 partent très vite, donc c'est idéal pour Idil Dupont. Un 70 toujours pour Ika Josselin, la favorite. C'est presque beau, hein, 70 hein, pour cette jument. Ce sera beau si elle passe le poteau en tête. On va voir si on est capable de rester invaincu ici à Mons. Et c'est parti avec Yamé Battu qui part comme jamais. Le numéro 4 qui va s'installer aux commandes. Deuxième position, il y a l'As Olé Duval, suivi encore par Ika Josselin avec Azel Dope, avec également l'As Olé Duval le long de la corde qui prend la deuxième place. Oh, la faute de Yamé Battu malheureusement dans le premier tournant, Sébastien. Peut-être trop vite avec Yamé Battu qui laisse le commandement à Olé Duval. On aurait bien placé avec Golden Delin. La favorite observe tout ça de près en troisième position. Azel Dope est là également. Idil Dupont a pris un départ volant de la deuxième ligne et vient déjà en cinquième position. On est bien placé également avec le 11 plutôt côté corde, 5-6e. Olé Duval fait du train en tête, Xavier. Rave de putt avec Olé Duval qui prend deux sulky d'avance sur le numéro 3 qui se rapproche avec Eric Josselin. En troisième position, il y a Golden Jana. Beaucoup, beaucoup de rythme. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation dans cette épreuve. On a ensuite Idil Dupont, le numéro 13, qui est calé long la corde sur une troisième ligne. Azel Dope est là également. Les favorites sont pas mal placés avec également Christophe de Grotte qui se rapproche avec Idée de Crène à l'extérieur dans le sillage d'Azel Dope. Côté corde, il y a également Oten, le 11. Parmi les dernières, on retrouve notamment le numéro 12, Irina, avec le 6, Harmonie Carnois, et le 8, Girl de Chenu. Olé Duval qui va toujours très vite pour bientôt sortir de ce deuxième virage. Ika Josselin qui a pu prendre la corde et qui ramène gentiment le plot. Golden Jana en troisième position, accompagné par Azel Dope. On retrouve également bien placé Idée de Crène, 5-6e, flanqué à son intérieur du numéro 13, Idil Dupont, elle-même suivie par Oten. On a disqualifié les numéros 4 et 9. Gros plan ici sur le 5, hein, qui a un mauvais parcours. Azel Dope qui progresse nez au vent depuis pas mal de temps. Et pour l'instant, Olé Duval fonce à un tour du but. Elle a toujours 3-4 sulky d'avance sur Ika Josselin, le numéro 3. À l'extérieur, Azel Dope qui continue de son rapprocher, mais toujours nez au vent en dehors. Côté corde, il y a Golden de Jana. Dans le sillage d'Azel Dope, Idée de Crène est bien placée, hein, en cinquième position avec le numéro 13, Idil Dupont qui est le long de la corde. La course qui se décante quelque peu, même si on revient désormais avec Ika Josselin dans le siège d'Olé Duval. Le peloton se reforme. Olé Duval est rejoint par Ika Josselin. Ika Josselin va peut-être tenter de faire l'intérieur de Olé Duval qui reprend la corde à présent. En troisième position, toujours Golden de Jana. Azel Dope qui progresse, qui continue sa progression en deuxième placeur, qui ramène dans son siège Idée de Crène. Toujours Idil Dupont côté corde et toujours Harmonie Carnois en 7-8e position. La favorite s'est décalée du siège. Olé Duval, Harmonie Carnois au galop. Ouais, Harmonie Carnois au galop. Ika Josselin qui va essayer de venir déborder Olé Duval qui va commencer à trouver le temps long peut-être dans le tournant final. Azel Dope qui a enfin trouvé un dos. Est-ce que ce sera suffisant avec Golden Jana qui semble avoir pas mal de ressources, qui va essayer également décaler de la corde et qui va prendre le siège d'Ika Josselin. Ika Josselin qui accélère. Olé Duval qui l'accompagne toujours. Golden Jana en troisième position. Azel Dope quatrième. Idée de Crène s'annonce pour les places, tout comme côté corde Idil Dupont et Philippe Mascal pour les places. Ika Josselin a pris une option pour la victoire, mais attention à Golden de Jana. Ouais, Golden Jana qui vient fort, Ika Josselin qui verse considérablement. Golden Jana qui vient faire peut-être la différence sur Ika Josselin. Golden Jana numéro 2 qui va peut-être créer une surprise avec Golden de Jana qui va s'imposer dans cette épreuve devant le numéro 3 qui finit fort mais trop tard, qui s'est bien relancé dans les mètres mais en ayant versé. Le 2 va s'imposer, le 3 sera deuxième. La troisième place sans doute pour le numéro 11 peut-être, Oten, ouais. On va revoir tout ça sur le château. Il y avait l'As également, Olé Duval, mais qui plafonne complètement dans la phase finale. 2-3, photographie peut-être pour la troisième place. Le 2 va s'imposer, le 3 sera deuxième. La troisième place pour le numéro 11 et la quatrième place pour le 12, effectivement, qui finit bien en dehors. Le 5 sera cinquième. 2-3, 11, 12 et 5, c'est l'arrivée de cette épreuve. Victoire de Golden de Jana.